Que fait un lecteur lorsqu'il a beaucoup de boulot et très peu de temps pour lire? Il se tourne par solution de facilité vers des romans très courts. Et non, sincèrement, je n'ai aucune autre explication à donner à ce point lecture. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler pour une fois de 4 romans qui sont tous des romans extrêmement courts puisqu'ils comptent entre 150 et 300 pages. Voici donc ces petits livres rikiki dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le tout premier dont j'avais envie de vous parler ne va pas vous surprendre si vous suivez la chaîne puisqu'il s'agit d'une petite douceur meurtrière de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Et oui, Nadine Monfils, je le rappelle, fait partie de mon panthéon personnel des auteurs chouchous. Bon alors comme bien souvent avec cet auteur, je vais avoir beaucoup de mal à vous résumer l'histoire puisque l'on va partir d'une situation de départ franchement bizarre et rocambolesque pour arriver finalement à un point d'arrivée qui n'aura rien à voir. Autant dire que quand on lit du Nadine Monfils, il y a très peu d'intérêt à lire les résumés parce qu'en général c'est tellement loufoque que les résumés ne reflètent absolument pas ce que l'on va trouver dans ces romans. Mais pour ceux qui seraient potentiellement vraiment intéressés, disons que la situation de départ, c'est le fait que certains personnages vont retrouver des morceaux de cadavres sur un bout de route. Ou pour être précis, au départ, on a un personnage masculin qui va, un soir en rentrant chez lui, retrouver une main sur le bord de la route, avec un bout de bras, je crois, accroché, mais pas en très bon état. Toujours est-il qu'il va tout simplement décider de ramasser cette main, de la ramener chez lui et de faire joujou avec. Ah oui, et petite précision, ce personnage masculin, pas franchement ni propre ni sympathique, vit avec un rat. Quand je vous disais que c'était loufoque et qu'il ne fallait vraiment pas se fier à la situation de départ, je vous avais pas menti. Bon alors, pour ceux qui seraient encore là, malgré ce résumé bizarroïde et franchement bancal, il faut bien le dire, je vais plutôt passer à mon avis. Alors oui, soyons francs, il y avait franchement un moment que je n'avais pas lu de Nadine Monfils. Ça a commencé à me manquer, hein, vraiment. Et en plus de ça, lorsque je l'ai lu, j'avais tout simplement besoin et envie d'une lecture rapide, décalée et pas prise de tête, et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ce roman. Après, et même si Nadine Monfils est clairement l'une de mes auteurs chouchous, je dois reconnaître que celui-ci n'est pour moi franchement pas son meilleur. Ce livre-ci est un one-shot, il ne fait partie d'aucune de ses sagas, et j'ai la sensation qu'avec ce roman, elle a juste eu envie de nous livrer une sorte de petit conte macabre, cru et teinté d'humour noir, avec des passages franchement gore, comme elle sait si bien le faire. En effet, j'ai trouvé qu'ici on avait presque une ambiance un petit peu de conte gothique qui se déroule dans cette petite ville paumée de Plouviac où on fait ses macabres découvertes. Et je vous préviens, ayez le cœur bien accroché, parce qu'ici Nadine Monfils n'y va pas avec le dos de la cuillère au niveau du dégueu, mais un dégueu qui par moments en devient presque grotesque grâce aux situations et aux personnages mis en place. Situations et personnages tous plus barrés les uns que les autres. Clairement. Bienvenue chez les fous et les psychopathes. Alors je vous le dis tout de suite, ne lisez surtout pas ce roman dans le but de lire un thriller réaliste. Ce n'est pas du tout la démarche de Nadine Monfils et ce n'est clairement pas ce que vous allez y trouver. Lire du Nadine Monfils, pour moi, c'est d'accepter de rentrer dans son univers, de se laisser porter par ses personnages et ses situations parfois franchement what the fuck, et surtout se laisser porter par son écriture que personnellement je trouve unique. Attention, je tenais à vous prévenir aussi, à savoir que l'auteur aime parfois mêler à ses contes macabres des passages un petit peu olé olé, voire par moments à la limite du pornographique. C'est comme ça, ça fait partie du personnage, en tout cas vous êtes prévenus. Ce n'est pas le cas dans tous ses romans, loin de là, mais si ça l'est, donc je tenais à vous prévenir. Il va être compliqué pour moi de vous parler plus en détail de ce roman, tellement il a un côté complètement imprévisible. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé ma lecture, j'avais presque le sentiment que les premiers chapitres appartenaient quasiment à des romans différents et qu'on les avait mis les uns à la suite des autres,
Mais je vous rassure, hein, bien sûr, au fur et à mesure de l'histoire, tout se met en place petit à petit, et à la fin, on a une cohérence. Pour les adeptes comme moi de Nadine Monfils, je pense que vous y trouverez votre compte. Après, pour les novices, je ne recommanderai peut-être pas de commencer par celui-ci, à moins que vous soyez adepte de contes macabres, un brin loufoque. Dans ce cas-là, potentiellement, ça peut vous plaire. En fait, lire ce roman, ça m'a un petit peu fait penser, vous savez, lorsque vous montez dans le train fantôme du village perdu au fin fond du trou du cul de la France, où vous oscilliez entre sursauts de peur et moments de rire dus au grotesque de certains décors et de certains déguisements. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec ce bouquin. Lire du Nadine Monfils, pour moi, c'est vraiment une expérience à part entière qui, je le sais pertinemment, ne plaira clairement pas à tout le monde. Après, ces romans sont toujours extrêmement courts, donc je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience, puisque disons que vous n'aurez pas grand chose à perdre et potentiellement beaucoup à gagner. Le roman suivant sera franchement différent, même si on retrouvera également ce côté un petit peu loufoque, puisque ça y est, j'ai enfin lu Sirius, le chien qui fit trembler le Troisième Reich de Jonathan Crown, toujours aux éditions Pocket. Là encore, le résumé de ce roman risque de vous sembler un brin bizarre, puisque l'on va surtout y suivre les aventures d'un chien qui au début de ce roman s'appelle Levi, mais qui au fur et à mesure de ses aventures va pas mal changer de nom, et pour cause, puisqu'au départ Levi est un chien né en Allemagne dans une famille juive durant la montée en puissance d'Hitler. On imagine bien donc que la vie de sa famille et de notre pauvre chien Levi n'est pas franchement des plus simples, disons-le même clairement, ils sont au bout d'un moment obligés de quitter leur maison et de trouver refuge à Hollywood. Et après Hollywood, notre chien va encore voyager et vivre d'autres aventures, mais là ce serait clairement vous raconter tout le bouquin, donc je vais m'arrêter là. Et pour ma part, j'ai trouvé que ce petit roman était presque un ovni littéraire, que ce soit d'ailleurs dans le style ou même dans la plume de l'auteur. Et une chose est certaine, je pense que ce roman ne plaira pas à tout le monde, loin de là. Ça, j'en suis pratiquement certaine. Ah oui, et petite précision, malgré son nom de famille, qui je suppose n'est d'ailleurs pas son véritable nom de famille, l'auteur est allemand. Concernant le style et la plume, il faut savoir tout d'abord que pratiquement tout le récit est raconté finalement du point de vue d'un chien, principe auquel déjà à la base il faut adhérer, et puis disons-le clairement, le style dans l'ensemble est assez loufoque. Alors soyons clairs, hein, en lisant le résumé, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'ultra réaliste, mais là on tombe presque par moment dans le vaudeville. Pour moi, ce roman se découpe presque en deux parties, et j'avoue que j'ai franchement préféré la seconde moitié de l'histoire, qui est beaucoup plus centrée finalement sur l'Allemagne et sur cette Allemagne qui avait d'ailleurs Hitler à sa tête. Disons qu'à ce moment-là du récit, ça y est, Hitler est devenu le grand Manitou et qui commence à faire toutes ces saloperies qu'on connaît. J'ai aussi plutôt bien aimé le début de ce roman avec, vous savez, l'arrivée de la haine des juifs et la fuite forcée de cette famille. Alors pas du tout que je sois pour la haine des juifs, hein, absolument pas. Mais le récit avait à ce moment-là quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Or après, on bascule avec leur arrivée à Hollywood et leur vie là-bas. Et j'avoue que cette partie-là m'a un peu moins intéressée. En fait, j'ai envie de dire que dans son procédé, ce roman m'a fait par moments franchement penser au film Forrest Gump. Puisque un petit peu à la Forrest Gump, notre chien Sirius va traverser différents moments importants de l'histoire hollywoodienne et de l'histoire allemande, et il essaie sa patte. Je suis sûre que tous ceux qui ont vu Forrest Gump voient parfaitement de quoi je veux parler. Et ceux qui n'ont toujours pas vu Forrest Gump, qu'attendez-vous? Ruez-vous dessus, je ne peux pas dire mieux. On a également dans ce roman beaucoup de références à la culture allemande et aussi à la culture qui tourne autour du cinéma hollywoodien des années 40. Et j'ai trouvé ça dans le principe très sympa, même si je pense que je suis potentiellement clairement passée à côté de certaines choses, étant donné que je ne suis pas très connaisseuse du tout des films de cette époque-là. Et que par conséquent, à mon avis, ce roman parlera beaucoup plus à des gens qui ont
déjà un certain bagage culturel autour de cette culture cinématographique hollywoodienne des années 40. Le personnage de Sirius est un personnage que j'ai trouvé à la fois assez drôle et attachant, et c'est vraiment par le biais de ce chien que l'auteur se moque ouvertement aussi bien du showbiz hollywoodien que d'Hitler et de la pensée nazie. C'est un roman dans lequel on n'a clairement pas du tout le temps de s'ennuyer, puisque finalement au niveau du style on a pratiquement une succession continuelle de paragraphes extrêmement courts, ce qui fait que oui, ça crée du rythme, mais par moments j'ai trouvé que ces paragraphes manquaient peut-être d'un petit peu de cohérence et d'un petit peu de lien. Et puis si certains passages prêtent à sourire, à aucun moment je n'ai franchement ri, alors que l'on sent tout de même que l'auteur a voulu donner vraiment un côté, je pense, humoristique à son récit. Par contre, je vous le dis, ne lisez surtout pas ce roman pour son côté historique. Je pense que de ce point de vue-là, vous n'apprendrez absolument rien. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'histoire avec un grand H n'était finalement presque qu'un prétexte à ce roman. Ça restera pour moi, je pense, une sorte de critique un brin cynique et surtout un roman dans lequel le destin a une part assez importante. Petit bémol aussi pour la fin qui m'a franchement déçu, mais là on est sur un avis purement personnel, disons que voilà, c'était pas ça que j'attendais, voire presque l'inverse de ce que l'auteur a écrit. Du coup, ça m'a un petit peu chagriné. Disons que j'ai trouvé un élément de cette fin franchement dommage, et surtout que je n'ai pas compris le sens de la démarche qu'a voulu mettre en place l'auteur. C'est vraiment difficile de parler d'une fin sans spoiler, je vous jure. Malheureusement, comme assez souvent ces derniers temps, pour moi, ça restera une lecture franchement pas désagréable, mais un roman qui me laisse avec un goût de bof, et clairement un roman que je pense très très vite oublier. Un moment de lecture donc pas désagréable pour le coup, mais qui n'a rien de mémorable pour moi. Et dans ces romans rikiki, je n'ai pas oublié de revenir à mes premiers amours en lisant également des romans noirs ainsi que des romans policiers, et c'est le cas du prochain livre que je vais vous présenter, puisque j'ai également lu Piste noire d'Antonio Manzini aux éditions Folio. Le résumé de ce roman est somme toute extrêmement classique, puisque l'on va suivre un sous-préfet, alias tout simplement un commissaire de police, qui s'appelle Rocco, je ne sais plus comment, et non pas Siffredi, mais bon bref, qui s'appelle Rocco, qui vivait à Rome et qui a été catapulté dans les montagnes du Val d'Aoste. Clairement, lui, la montagne, le froid, la neige, l'humidité, ça l'ennuie profondément, hein, disons-le, il n'a aucune envie d'être là, et il va devenir encore plus bougon quand un jour on l'appelle pour enquêter parce que l'on a retrouvé le corps d'un homme, ou en tout cas ce qu'il en reste, après qu'il soit passé sous une dameuse qui était tout simplement en train de damer une piste de ski. Et petite précision, ce roman est le premier tome d'une série autour de ce personnage de Rocco. Et là encore, ça ne va pas être simple pour moi de vous parler de ce roman, parce que c'est typiquement le genre de lecture pour lesquelles je me dis « c'était sympa, mais sans plus, et je pense que je vais assez vite l'oublier ». Les lectures moyennes sont clairement celles dont j'ai le plus de mal à parler, parce que bah, quand j'ai pas aimé, je sais pourquoi j'ai pas aimé, quand j'ai adoré, je le sais aussi, et quand c'est moyen, bah là c'est plus compliqué. Disons qu'avec ce roman-ci, on est clairement dans du roman policier pour moi ultra classique, avec un côté un petit peu old school, et on bascule presque par moment dans le roman policier un brin humoristique. En effet, pour moi ici, le ton n'est ni sérieux ni réaliste. Alors, si je n'ai pas eu de vrais problèmes, je dirais, avec les touches d'humour et les nombreuses piques de Rocco, parce qu'elles ne m'ont pas franchement dérangé, même si elles ne m'ont pas non plus franchement convaincu, je dois reconnaître que j'ai par contre beaucoup plus
eu du mal avec ce côté manque de réalisme. Tout simplement parce que pour moi, policier doit rimer avec réalisme. Ou alors, il faut que ce soit un policier qui soit franchement dans le loufoque assumé. Et ici, comme on était un petit peu le cul entre deux chaises, pour moi, dans l'ensemble, ça ne fonctionnait pas vraiment. Certains d'entre vous m'avaient dit que le personnage de Rocco était franchement ronchon mais attachant. Alors oui, clairement, Rocco est un personnage qui a vraiment mauvais caractère. Par contre, pour le côté attachant, je crois que je suis un petit peu passée à côté. En règle générale, j'ai trouvé ce personnage un peu too much, voire parfois franchement détestable, que ce soit dans ses actes ou dans ses paroles. Et puis surtout, je crois que ce qui m'a posé le plus gros problème, c'est que pour moi, ce personnage représentait le stéréotype même de l'italien dragueur à outrance et franchement lourdingue sur les bords. Les autres personnages qui gravitent autour de Rocco sont pour moi trop peu développé à mon goût, ce qui fait que j'avais parfois tendance à les confondre un peu. J'ai par contre beaucoup aimé me retrouver dans ce petit village montagnard italien avec vraiment cette ambiance hyper neigeuse. On ressentait bien ce froid et ça donnait vraiment une sensation presque de huis clos, chose que j'aime en général beaucoup dans mes lectures. En tout cas, au niveau géographique, une chose est sûre, cette histoire ne s'éparpille pas, ce qui peut représenter pour certains une qualité, pour d'autres un défaut. Là, c'est à vous de voir. On a également pas mal de références à la culture italienne, et comme pour le roman Sirius, je pense que du coup, je suis peut-être passée à côté de certaines choses parce que, bah, moi, la culture populaire italienne, c'est pas vraiment un domaine dans lequel je suis hyper calée. Je pense donc qu'un lecteur connaisseur de l'Italie appréciera très certainement beaucoup plus que moi cette série de romans policiers. Et de manière générale, et d'ailleurs beaucoup plus encore dans la construction de sa fin, ce roman m'a franchement beaucoup fait penser à un vieil épisode de Columbo. Alors attention, hein, soyons clairs, j'adorais la série Columbo lorsque j'étais petite, mais le problème c'est que ce n'est tout simplement pas ce que j'avais envie de retrouver ici. Et puis, disons-le clairement, le personnage de Columbo est pratiquement l'opposé du personnage de Rocco. Les deux n'ont vraiment rien à voir ensemble. Du coup, ce qui peut fonctionner avec l'un fonctionne beaucoup moins avec l'autre. La résolution de l'enquête quant à elle est, j'ai trouvé, extrêmement classique et un petit peu sortie de nulle part. Et autre point qui, par moment, m'a franchement dérangé dans ma lecture, c'est cette sensation que parfois la traduction était peut-être un petit peu approximative. Certaines tournures de phrases ou certains mots étaient parfois mal choisis, il y avait des choses qui ne collaient pas. Alors est-ce dû vraiment à la plume de l'auteur ou est-ce dû à la traduction? Ne parlant pas du tout italien, je ne saurais vous dire. Toujours est-il que par moments, ça m'a fait buter dans ma lecture. Et pour moi, c'est la preuve qu'il y avait peut-être des choses à revoir. En fait, de manière générale, j'ai trouvé que c'était un petit roman policier très classique, pas désagréable, mais un brin vieillot, avec un personnage central certes fort, mais qui personnellement n'a pas su me convaincre. Comme pour Sirius, donc pas une mauvaise lecture, mais rien de véritablement notable pour moi, et je doute clairement de lire la suite des aventures de Rocco. Désolée. Pourquoi pas donc pour les novices du genre qui souhaiteraient découvrir les romans policiers ou en tout cas lire quelque chose d'assez classique et léger, mais pour ma part, j'ai besoin de plus. En fait, je crois que surtout, c'est ça, c'est pas un mauvais bouquin, mais c'est clairement plus ce que j'ai l'habitude de lire et ce que j'aime lire, et c'est juste pas assez pour moi. Et je terminerai ce point lecture avec un autre de mes auteurs chouchous désormais. Oui, je pense que clairement, il fait également partie de mon panthéon de mes auteurs préférés. En tous les cas, je vous en parle assez souvent sur la chaîne. Et il s'agit de Thierry Jonquet, dont j'ai lu La Belle et la Bête. Ou La Bête et la Belle? Ouais, La Bête et la Belle. Toujours aux éditions Folio. Bon alors, comme pour Nadine mon fils, hein, en général, il ne faut même pas lire les résumés des romans de Thierry Jonquet, parce que c'est tellement particulier et ça n'a tellement rien à voir finalement avec le récit, que je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Disons qu'au départ de ce roman, on se retrouve avec un flic
qui mène un interrogatoire auprès d'un personnage qui semble s'appeler Léon. On sait qu'il y a eu des meurtres de pas mal de personnes, meurtres commis d'ailleurs par quelqu'un que Léon semble connaître. Et ce flic va essayer de creuser la question, de comprendre comment et si vraiment ces meurtres ont eu lieu. Et voilà, je peux pas vous en dire plus. Oui, je sais, ce résumé n'a pratiquement aucun intérêt, mais je vous avais prévenu. Je ne pourrais pas mieux résumer qu'en vous disant c'est du Thierry Jonquet. Tout simplement. Et comme bien souvent, hein, Thierry Jonquet a l'art et la manière d'écrire des sortes d'ovnis littéraires, ce qui a encore été le cas ici, et ce qui fait qu'une fois de plus, je vais avoir un petit peu de mal à vous parler de l'un de ses romans. Promis, je vais essayer de faire au mieux. Alors, soyons clairs, pour moi, ce n'est pas son meilleur. Pour moi, pour l'instant en tout cas, de tout ce que j'ai pu lire de lui, le meilleur restera Miguel. Mais ça n'en reste pas moins un roman très intéressant, et ça grâce à plusieurs aspects. Tout d'abord, personnellement, la plume de Thierry Jonquet me plaît toujours autant. Une écriture que je trouve sans concession, qui sait parfaitement mêler le littéraire au grotesque parfois. Et cet auteur a vraiment le chic pour savoir écrire des romans noirs étrange et terriblement humain à la fois. Tout d'abord, ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est son ambiance. On est plongé dans les années 70-80, je dirais, dans un milieu de classe moyenne, un milieu dit populaire avec tout ce qu'il peut comporter d'illusions perdues et parfois de drames du quotidien. Et si ce roman débute telle une enquête policière, pour moi, il ne faut vraiment pas le lire dans le but de suivre une enquête de A à Z afin de découvrir à la fin la vérité sur un ou des meurtres. Pour moi, ce roman, c'est vraiment bien plus que ça. Ce livre, c'est un roman contemporain noir à l'ambiance étrange et par moments franchement glauque qui va, je pense, déstabiliser bon nombre de lecteurs, mais qui prend tout son sens à la fin. Une fin que, clairement, je n'avais pas vu venir et qui remet complètement en question tout ce que l'on a pu lire et qui, du coup, donne envie, finalement, de relire ce roman depuis le début. Une fin qui permet, du coup, de voir ce roman sous un nouveau jour et qui, surtout, ouvre, du coup, de nouvelles perspectives sur d'autres thématiques que celles que le lecteur avait en tête depuis le début de sa lecture. Après, je vous le dis clairement, si vous souhaitez tenter cette lecture, il faut vraiment accepter le fait de se sentir perdu une bonne partie du roman, ou si pas perdu, de se laisser aller vraiment par ce récit qui glisse dans un univers à la fois réaliste et fantasmagorique par moments, où d'ailleurs les différents protagonistes de l'histoire ne sont pas appelés par leur prénom, hormis Léon d'ailleurs, mais plutôt par des adjectifs ou par leur rôle dans cette histoire, puisque l'on a par exemple le personnage du coupable, on a aussi le gamin, la vieille, le vieillard et plein d'autres personnages comme ça. Et comme pour Nadine mon fils, je dirais que lire du Thierry Jonquet, bien souvent, c'est presque une expérience. Et là encore, ce que j'aime vraiment avec cet auteur, c'est que pour moi, sa plume est complètement unique. Quand je lis du Thierry Jonquet, je le sais. Je le sais dès le début, même sans lire le nom de l'auteur sur la quatrième. Il n'y a pas de souci, je saurai reconnaître son écriture parmi tant d'autres. Dans ce récit-là, il est quand même souvent question de saleté, de décomposition et autres joyeusetés qui, je vous avoue, par moments m'a laissé quand même pas mal au bord de la nausée. Alors oui, on va pas se mentir, niveau expérience de lecture, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais ça prouve bien que l'auteur a su complètement me plonger dans son ambiance, me plonger dans son histoire et me faire ressentir ce que les protagonistes ont pu ressentir. En définitive, pour moi, il ne faut pas lire ce roman dans l'espoir d'y trouver une histoire policière, un roman où il se passe plein de choses. Il faut lire ce roman pour son ambiance, pour ses personnages brumeux mais complexes, et surtout, pour la plume de l'auteur qui, pour moi, reste vraiment unique. Et même si j'avoue que j'étais perplexe pendant une bonne partie de ma lecture, eh bien, malgré tout, après avoir terminé ce roman, je pense
que c'est vraiment une histoire dont je me souviendrai mine de un moment, et une histoire qui n'a fait que renforcer mon envie de continuer à découvrir toute l'œuvre de Thierry Jonquet, un auteur qui pour moi avait vraiment sa particularité dans le paysage littéraire français et qui malheureusement est parti bien trop tôt. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, malheureusement Thierry Jonquet est décédé il y a déjà de nombreuses années et il me semble qu'il était pas vieux du tout en plus. Je confirme, il est décédé en 2009 à l'âge de 55 ans. Donc pour résumer, pour ma part, Thierry Jonquet, c'est toujours autant ma cam, et bien sûr, je continuerai à en lire jusqu'à épuisement. Enfin, épuisement des stocks, hein, pas épuisement de la madame. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est donc ainsi que va se terminer ce point lecture. Alors, je l'ai déjà dit, hein, en général, les romans courts, c'est bien parce que ça se lit vite, mais j'ai bien souvent du mal à y trouver mon compte parce que pour moi, ça manque souvent de développement. Malgré tout, parfois, ça peut être de très très chouettes découvertes, voire de très belles pépites. Je repense par exemple à Aveu de faiblesse de Frédéric Viguier, dont je ne cesserai de vanter les louanges et de vous dire de le lire. Bon, vous l'aurez compris, pour la sélection d'aujourd'hui, celui que je vous recommande vraiment par-dessus tous, c'est le Thierry Jonquet. Mais bon, c'est surtout parce que c'est Thierry Jonquet. Même si une fois de plus, hein, cette fin, elle m'a laissé sur le cul. Hein. Quand j'y repense, franchement, c'était bien vu. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir certains titres, et si vous souhaitez en discuter avec moi, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et si vous souhaitez aider la chaîne, vous connaissez la chanson, on met des pouces levés, on s'abonne, et pourquoi pas partager la vidéo avec vos potes, vos amis, votre famille, bref, tous ceux qui, comme nous, aiment la lecture. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et je vous souhaite, bien sûr, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye !